Bonjour! Moi, mon nom, c'est Diane. S'il y en a qui se sont posés les questions en montant, là, vous devez avoir hâte de savoir un peu les réponses. Oui? OK. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le phénomène de la coloration. Puis si j'oublie des choses, vous me le demanderez parce que ça va me faire plaisir de vous répondre. D'abord, le facteur qui déclenche la coloration, qui vote pour le soleil? Puis dans mon autre main, imaginez-vous de la glace pour les geler. OK, levez la main ceux qui votent pour le soleil. OK, levez la main ceux qui votent pour la gelée. Le froid, la gelée même. Mon Dieu, les autres, vous votez pour quoi? Soleil! OK, ce que le grand responsable du déclenchement du phénomène de la coloration, c'est le soleil. OK, ce qui se passe, c'est que... quand on a le soleil, on a la fabrication du pigment vert qui s'appelle la chlorophylle. OK? Quand il y a moins de soleil, elle fabrique presque plus de chlorophylle. Donc, beaucoup moins de chlorophylle. La chlorophylle va disparaître. Puis, elle va laisser apparaître en dessous la pigmentation jaune, qui est la carotène. OK? Ça, c'est pour les feuilles qui ont cette forme-là, soit les bouleaux, les peupliers, puis dans ce genre-là. OK. Pour les autres maintenant, ceux qui ressemblent à l'érable, ou même les érables, il va avoir la formation d'un tampon de liège à la base de la feuille, au pétiole, sur le pétiole. Et puis, ce tampon de liège-là, il va déclencher la pigmentation à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce qui monte à l'intérieur des feuilles d'érable, c'est la sève sucrée. Puis, la sève qui est sucrée, elle va s'accumuler dans la feuille puisqu'elle ne peut plus redescendre. OK? Donc, le sucre qui s'accumule va former de l'amidon, puis l'amidon va déclencher la pigmentation rouge avec des hormones puis un processus quand même chimique. OK? La pigmentation rouge se forme, puis selon l'espèce d'érable, puis selon son milieu, on va avoir le jaune puis l'orangé pour l'érable à sucre, puis on va avoir les teintes de rouge pour l'érable rouge, puis selon aussi l'acidité du sol, ça va changer un peu la teinte de rouge. OK? Dans le cas des autres érables, les autres érables qui sont des arbustes, comme l'érable de Pennsylvanie puis l'érable à épis, vont plutôt devenir jaunes. L'érable rouge est le seul à devenir très rouge, puis l'érable à sucre orangé. OK? Les autres, qui sont le bouleau jaune, vont devenir très jaune. Puis, le hêtre va devenir très brunâtre, comme cuivré un peu. Ça, c'est le seul qui devient cette couleur-là. Évidemment, toutes les feuilles, une fois qu'elles sont sèches, une fois qu'elles sont en train de commencer à se décomposer, là, évidemment, ils vont devenir brunes comme les autres. Ouais.